Alors, bonsoir tout le monde. Merci d'être venus. Je vous convie ce soir de la journée de la femme, un 8 mars 2024, à entrer avec moi et ma famille dans un voyage à travers le temps, les années 50 jusqu'à nos jours. Je vous invite à Rome, où je suis née, en Emilia Romagna, où sont nés mes parents, et ici à Montpellier, à la villa des 100 regards. 100 regards de joie. Je vous le garantis, car ma joie est entière et profonde. De vous voir ici réunis avec l'amour de l'Italie, l'amour tout court. Alors, je vous souhaite une bonne soirée. Merci d'être venu. Donc, cette expo, je l'ai faite, organisée pour fêter les femmes. Les femmes, pas parce que je veux mettre l'ombre sur les hommes, pas du tout, mais parce que souvent, les femmes, surtout de la génération de ma maman, étaient toujours dans l'ombre, pas mises en lumière, et qu'en fait, elles ont vraiment œuvré pour l'harmonie de la famille, pour la carrière du mari, etc. Et je trouvais que souvent, on les oublie, quoi. Donc, je voulais faire ça pour ma maman. Donc, vous avez vu les vidéos. Je ne vais peut-être pas vous en reparler. Vous pouvez redécouvrir Elevazione, qui est ce travail-là. Et du coup, je voulais vous lire un petit extrait de Italo Calvino, Les cités invisibles. Et Marco Polo dit, l'enfer des vivants n'est pas quelque chose qui existera. S'il y en a un, c'est bien celui qui est déjà tous les jours. Celui que nous formons en étant ensemble. Or, il y a deux manières de ne pas en souffrir. La première est facile, accessible à tous. C'est d'accepter l'enfer et d'en faire partie jusqu'au point de ne plus le voir. La deuxième est risquée, exige une concentration, un apprentissage continu. C'est de chercher et de savoir reconnaître quoi et qui, au milieu de l'enfer, n'est pas l'enfer. Et de les faire durer, de leur donner de l'espace. Cultiver la sagesse de distinguer dans l'enfer ce qui ne l'est pas, n'est-ce pas le travail de l'artiste? Voilà, je vais m'arrêter là parce que je ne veux pas faire long. Je vous invite à regarder chez vous ici ce parcours de famille d'immigrés. Nous sommes arrivés en France en 1976, un peu comme ce monsieur qui a fait cette maison, dans une espèce de lubie, de fantaisie, et sûrement pour s'enraciner, parce que c'est vrai que quand on change de pays, on change d'identité, on a envie de quand même refaire des racines, et le clin d'œil, c'est la maison qu'a fait mon père, voilà, qui a voulu s'adapter à la vie de la Bresse, donc une maison, il a fait une maison, une ferme bressane, et en même temps avec des touches qui lui sont particulières, parce qu'il a fait des mandalas en pierre, et voilà, je vous invite vraiment à regarder le film si vous n'avez pas le temps de le voir. Et moi, ce que je voulais vous envoyer comme message, un grand message de paix envers les femmes, mais aussi envers les hommes, envers tout le monde, les enfants. Et je pense que l'art, c'est aussi une façon de faire des liens, de faire des traits d'union, de façon simple, parce que je crois que vraiment l'artiste est celui qui fait de sa vie une création, c'est-à-dire qui arrive à réconcilier aussi les familles. Parce que quand on est une femme, on est aussi une sœur. Donc je suis très heureuse que mon frère soit venu. Pour moi, c'est une grande preuve d'amour. Que ma mère soit venue, voilà. Je pense que notre travail ici sur Terre aussi, c'est dans notre petite société intime qu'est la famille, d'arriver à se parler, à se réconcilier s'il y a besoin, etc. Et surtout à transmettre des valeurs. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Je suis heureuse que vous soyez ici parce que donc, ce monsieur Grazzi qui est venu ici, c'est pour fuir le fascisme. Je suis remontée un petit peu aussi de par des comptines que me chantaient mes parents à la résistance italienne, puisqu'ils viennent d'une famille qui s'appelle d'une région qu'on appelle la Terra Rossa, qui est l'Emilie-Romagne, où est née la résistance. Voilà. Donc, moi, évidemment, nous, on n'a pas connu tout ça, y compris la scission du Parti communiste italien, de la Russie, enfin tout ça. Mais il y a eu des figures comme Berlinguer et Gramsci qui ont marqué quand même une espèce d'idéal de justice et d'égalité. Voilà. Donc, je suis très heureuse que vous soyez là ce soir. Et on va goûter les saveurs réunionnaises. Et surtout, je dédie ça aux femmes, aux hommes qui aiment les femmes,
Donc voilà, tout ça pour avoir de l'amour, pour représenter de l'amour, pour transmettre de l'amour. Et je voudrais en dernier, donc pour Rosanne, ma maman, que mon fils lance cette petite chanson qu'on a préparée pour elle. Je ne sais pas. Fuori da ogni domani, dentro un semplice ciao, come stai, Rosanna? Io dentro tutto quel che sei.